Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les aventures de Kirby dans Team Kirby Clash Deluxe. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu spéciale, on va faire tous les boss du pâturage. Donc on va commencer par le plus facile et on va terminer par le plus difficile. On va commencer par Wendelie, c'est parti. Allez, celui-ci. Très simple, ça va aller très vite. Ça devra prendre quelques secondes. C'est parti. Allez. Et on a presque fini. On le frappe. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Très simple, très rapide. Très facile. Alors on va passer au suivant et normalement on devrait monter de niveau aussi. Comme d'habitude, je fais quelques combats en dehors de la vidéo et non, il nous faut encore 157 XP, donc ce sera pour le prochain combat. Donc pâturage, frigorifique, c'est parti. Allez, celui-là aussi, on va le faire rapidement. Hop. Il essaye de nous faire sa petite tornade. Voilà, c'est reparti, on le frappe. Et c'est fini. Très simple. Voilà la deuxième qui est finie. Je pense qu'on en a 7 à faire. Alors, le... Et ben voilà. On passe de niveau, nous sommes au niveau 25 et on est à la moitié du jeu. Ok, on continue. Et on a terminé 88 missions. Choix de la zone. Forcément. Pâturage et on passe au troisième, le roi doux. Ça fait assez longtemps qu'on ne l'a pas fait. C'est vrai que les petits boss comme ça, on ne les fait plus parce que ça donne pas vraiment beaucoup d'XP. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et ça va aller très très vite aussi. On devrait bientôt y être. On y est presque, voilà. Et ben voilà, c'est fini. Trois premiers combats et trois combats très très simples. Ça nous fait toujours un petit peu d'XP, 457. C'est pas trop mal. Alors, choix de la zone, pâturage évidemment, et on va passer au quatrième, le Seigneur H. Ah, le Seigneur H, celui-là, je l'aime beaucoup parce que pour faire de l'XP, il est très facile. On fait plus ou moins 700 XP là en ce moment, donc c'est pas trop mal. Il va assez vite, on le fait plus ou moins en une minute. C'est un petit peu plus long que les trois premiers. Mais il est assez facile. Par contre, le dernier de cette vidéo sera un petit peu plus compliqué parce que c'est un boss qu'on n'a pas encore réussi à battre. Donc j'espère que pour cette vidéo, eh bien, on y arrivera.
Alors, ça donne quoi? Voilà, il nous donne les 4 fragments. Et c'est presque dans le centre, ça c'est bien. Et on est à 21 551, c'est pas mal du tout. On le termine, on y est presque. Et bien voilà, vraiment facile. Et qu'est-ce que je disais, 713 XP en 50 secondes. C'est pas trop mal. Mais il nous en faut encore 9500 pour passer au niveau 26. Choix de la zone. Pâturage. Et on passe en mode difficile avec Gigalam. C'est parti. Alors, voyons ça. Je pense que ça va aller. En mode difficile, les boss attaquent beaucoup plus. Ils bougent beaucoup plus, donc c'est un peu plus compliqué. Gigalam, c'est un des plus faciles en mode difficile, donc je pense pas que ça va poser de problème. On va mettre un petit peu plus de temps, mais on va y arriver. Ça va aller. Il faudrait qu'il nous lâche quelques petits fragments. Et bien voilà, il suffisait de demander. Et on prend le quatrième et c'est parti. Voilà, presque dans le centre, ça c'est bien. Et on est à 26 426, parfait. On continue. Et le temps est arrêté, donc là, franchement, que demander de plus? C'est parfait. Et bien voilà, il est terminé. Une victoire de plus. Et là, on a un petit peu plus d'XP. On est à 986. 1 minute 18. Et dans une prochaine vidéo, on essayera de terminer toutes les récompenses. Là, on a 2 missions en plus. Donc, c'est pas mal. Il nous en restera une à faire. Alors, choix de la zone. Pâturage, encore une fois. Et bien voilà, on est au tout dernier de la liste. Dragon de glace en difficile. Voilà. Je vais essayer de changer d'équipier. Voilà. Non. Alors, qui on a? Voilà, je pense que là c'est pas mal. On a changé les équipiers. J'ai pris les équipiers que j'ai rencontrés via l'ordinateur. Donc ça sera peut-être un peu plus facile.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ben, je suis à terre. Il faudrait qu'un petit équipier vienne m'aider. Ça serait sympa. Parce que le temps, il défile. Voilà. Eh bien, décidément, on est deux à terre. Et ça, c'est pas cool. Alors. Bon, désolé si je parle pas beaucoup, j'essaye de me concentrer. Et zut. Ça le fait pas. Le temps est arrêté et on est tous à terre. On a un fragment, c'est pas mal, mais il en faudrait plusieurs. En voilà deux. Alors, il nous faut tous les fragments. Décidément, il est vraiment pas simple. J'ai peut-être pas choisi les bons équipiers. Il ne reste que 40 secondes. Et bien voilà, tout le monde est à terre, partie terminée. On va continuer. On a enfin le bonus. Ça va pas être terrible. Il nous reste que 30 secondes. Ça serait quand même bien de le battre dans cette vidéo. Il nous reste que 20 secondes. Et on n'y est pas. On va continuer 30 secondes. Et bien voilà, il nous manquait vraiment pas grand-chose. Donc on y est arrivé. Pas mal du tout. Et là, on va avoir pas mal d'XP, c'est bien. 1120. 3 minutes, 3 secondes. Donc juste 3 secondes en plus du temps normal. Et on a gagné une mission en plus. C'est parfait tout ça. C'est pas mal. Il nous reste encore 7430 XP avant le niveau 26. Donc voilà, on va retourner au village. On a fait tous nos combats. On les a tous gagnés. Le dernier était un petit peu plus compliqué, mais on y est arrivé. Donc c'est pas mal. Dans la prochaine vidéo, on fera la même chose avec une autre zone. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partagez-la, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye!